عندي ما تيسكافو اخر حاجه كتبتها دونك نيفو ستيل نيفو بلوم سي سكو جي دو بلوز ايفولوي سي سكو جي اكري دو بلوز ايلابوري ستيليستيكمون يقعد عندي انا اي جو لدي سونز اوكون اونت سو ايفيك بوكو دو فيرتي احسن رومان نحبو اكثر من نحبو دبدا نموت على دبدا نحبو برشا سا سي تري بيرسونيل اي ساي جي سيني J'ai signé, je m'en ai fait, donc maintenant le fort du livre est à l'audio. C'est pas normal pour moi que un roman, que le dernier roman que j'ai écrit en tout cas, ça c'est mon avis, que j'ai écrit ne soit pas celui qui soit le plus techniquement élaboré, le plus stylistiquement, le mieux fait, on va dire, hein, stylistiquement. Je devrais mieux maîtriser, beaucoup plus, et mieux maîtriser ma technique d'auteur, les techniques d'écriture, au fur et à mesure que j'avance. Si j'en suis à mon troisième roman et que le roman d'après ou le roman d'avant ou le roman, mon tout premier roman, est meilleur. Mon style, ça, il y a deux ans, trois ans, était meilleur. C'est pas normal. Il y a eu une baisse de régime, c'est pas normal. Franchement, en tout cas, au niveau de la fiction et à mon niveau personnel, je suis en train de m'améliorer au fil du temps. Je sais de mieux en mieux et de plus en plus, niveau ficelle technique, je ne parle même pas du sujet ou voilà, du thème du roman. Je parle niveau ficelle technique. Les techniques d'écriture. Je suis en train de maîtriser plus. Je sais que le rythme, par exemple, je sais, Dabda, je l'aime beaucoup, c'est mon roman préféré. Mais je sais que le rythme au début de Dabda était lourd. Je le sais, c'est les 3-4 premiers chapitres sont un peu lourds. Pas pour moi, hein. Moi je le relis avec énormément de plaisir. Ah non, moi Dabda, je peux le relire 50 000 fois. Hein. Mais je sais que je regarde maintenant à travers vos yeux à vous. Au fur et à mesure que je vous rencontre, que je vous vois et que je vous parle, et que j'arrive un petit peu à voir aussi, au niveau même au-delà de la technicité, j'arrive à voir un petit peu, je tends l'oreille un petit peu, je sens le pouls, on va dire, hein, du lectorat. Donc je sais que pour vous, par exemple, pour les lecteurs Dabda, les 3-4 premiers chapitres sont un peu lourds. Donc j'essaie d'alléger. Celui-là, par exemple, il est beaucoup plus fast. Hein. Les chapitres sont plus courts. J'ai même fait exprès pour ça. Au moment de l'écrire, j'étais... pour que ça se passe beaucoup... Ouais, plus léger, ça se passe plus rapidement. Que ce soit plus percutant aussi. C'est pas bien si le rythme traîne trop. Mais j'ai toujours des lacunes et j'essaie un petit peu de les corriger. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce roman-là. Chaque roman que j'écris, il porte une part de moi, plus ou moins, plus que moi. Parfois, Dabda est celui qui porte le moins de moi, bizarrement, hein, personnellement, de ma personnalité. À ta place, celui qui porte le plus de mon historique familial. Cauchemar du Batiscaf et le personnage principal de ta Cauchemar du Batiscaf, c'est moi. سلام انت اليوم جيت السيناتور رومان نتاع خوله حسني تعرفها خوله حسني قريت لها قبل كتبها اي عرفتها من الاول مع رومان اتا بلاس قريته عجبني خاطر ستيل ديكريتور نتاعها في الويد و يعني كي تقرا الكتاب سون بريز دو تيت من الاول للاخر ما تنجمش تصيبوا الكتاب ذاك علي رجعت حبيت نقرا لها مرة أخرى رجعت مع كوشمار دو باتسكاف كيف بون في الغمان الأخر عملت توش هكا دو غمانس والكل عجبتني على الأخر كل عملتنا كيما البوز خاطر هو هكا غمان نوار والكل عملت كيما البوز ان غمانس انتخو لغوين والكل ولغو متاع الغمان دونك نتصورها تنجح في الغمانس عايشك عايشك مرسي متعودين في تونس على نفس ساينس فيكسيون معناها مانيش متعودين دي اسي حاجات كيما هكاك بالحق اول مره نكتشف لي عندنا معناها دي زوتور تونيزيان يكتبوا دي سيون معناها دو لا ساينس فيكسيون حاجه نوفو معناها حاجه جديده في تونس معناها كو سوا فام ولا ام معناها حاجه جديده بالحق معناها روح جديده في الكتاب التونسي خاطر احنا توا لي ادوليسون ما يلوجوش على لي اسي
les adolescents et là où je vois la science-fiction ou tout ce qui est imaginaire. Donc, حاجة جديدة إنه أنت تقنع les adolescents بشي يقرأ أكتب كتاب ده الكتاب فيه خيال. Donc, c'est normal بشي يعجبهم القصة ويقرأ كتاب ده. إحنا معناش حاجة ذي أبار خولة وعاطف عطية وسامي معنا الجروب هذي اللي هما معنا أصحاب وطلعوا مع بعضهم نجم نقوله. Donc, هما اللي عملوا روح جديدة في الكتاب التونسي.